direction la galerie Cyril Guerniri, au cœur de Saint-Germain-des-Prés, à Paris, pour admirer les œuvres puissantes d'un peintre contemporain hors norme, un poète de notre époque qui, sous son pinceau acéré, réussit à réenchanter un monde à la dérive. José Luis Seña Ruiz est l'un des artistes figuratifs les plus talentueux de sa génération, maniant la peinture et la couleur, la bombe et le pochoir, comme un chef d'orchestre virtuose. Ruiz s'affirme ici comme l'inventeur d'un nouveau style, celui d'un réalisme bouleversé et bouleversant, jouant sur la partition des émotions avec une spontanéité troublante. Des tableaux qui nous attirent irrésistiblement, à la manière des contes de Grimm, relus sous un prisme résolument contemporain. Ici, l'artiste utilise les travers de notre société pour mieux les détourner, ajoutant, ça et là, des touches électrisantes, des détails décalés, des sourires innocents, des regards malicieux. En inversant les codes, Ruiz nous offre un miroir esthétisé de notre société, allégé de ses violences pour n'en garder que la poésie, jusqu'à frôler l'onirisme. S'agit-il d'un optimisme radical de l'artiste ou d'une volonté de réveiller les consciences ? Finalement, face à ces images, nous nous mettons à douter pour reconsidérer le monde dans lequel nous vivons. Ne suffirait-il pas seulement de changer notre regard en le portant sur les jolies choses qui nous entourent ? Avec ses œuvres résolument paradoxales et fascinantes, Ruiz nous rappelle qu'il existe, au cœur chaotique de la jungle urbaine, un spectacle rare et merveilleux. Celui d'assister, encore parfois, à des parenthèses d'innocence, dans ces bulles de vie habitées par les rires d'enfants, comme un éternel rayon de lumière.